Pourquoi y'a pas bien. Focus sur, je dirais, les axes principaux de notre action. Vous savez que reconstruire la République démocratique du Congo suppose la reconstruction de son administration. Et dans ces gouvernements, nous avons justement un ministre, un vice-premier ministre qui est dédié au travail de la modernisation de l'administration publique, qui passe notamment par une série de réformes, notamment en ce qui concerne la retraite, les rajeunissements, mais aussi les contrôles des effectifs et beaucoup d'autres sujets. Nous avons déjà eu l'occasion d'aborder avec le vice-premier ministre, le ministre de la fonction publique ici. Aujourd'hui, nous voulons faire un focus sur la trajectoire de toutes ces réformes, parce que c'est plusieurs réformes qui se font en même temps. Et monsieur le vice-premier ministre, tenez-vous bien, ce n'est pas moi qui vais vous informer. Il y a certaines de ces réformes qui ont en tout cas redonné des sourires à beaucoup de familles. J'ai reçu des témoignages il y a quelques semaines d'un ami qui me disait que sa grand-mère était devenue millionnaire. Millionnaire parce qu'elle a reçu sa pension ou sa retraite. En francs. En francs, évidemment. Elle était devenue millionnaire en francs. La surprise, elle était générale parce qu'il y avait de l'espoir qui était perdu. Et cette marque, justement, de reconnaissance de l'État est une manière de dire merci à ceux d'entre nous qui ont été pendant de longues années dédié au travail de la République. Lorsque nous étions dans la suite du président de la République dans le Lualaba, particulièrement dans la mine de Kamoa, le président de la République, lorsqu'il s'adressait aux agents, il est revenu sur quelques progrès qui ont été faits dans votre secteur, notamment sur cette question de la retraite. Je voudrais demander à la technique de revenir sur cet extrait du président de la République avant que vous ne puissiez dire vos mots introductifs pour cet exercice de redevabilité. Au niveau de ceux qui vont à la retraite, aujourd'hui, grâce au travail du gouvernement et particulièrement au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, nous avons aujourd'hui redonné le sourire à nos vétérans, ceux qui vont partir à la retraite, ceux qui avaient servi l'État avec honneur et dignité. Ils n'ont plus à craindre pour leur avenir parce que nous avons commencé petit à petit à les rassurer en les prenant en charge pour leurs vieux jours. Voilà, monsieur le vice-premier ministre, le président de la République qui parle de, justement de cet honneur que la République fait à nos elders, comme on dira en anglais, à nos aînés qui ont travaillé, qui ont presté. Bien avant d'ailleurs, je sais que vous aurez l'occasion d'en parler, mais comment réagissez-vous lorsque le président de la République revient sur cette réforme qui n'est pas toujours, je dirais, beaucoup de gens ne perçoivent pas toujours ce que vous faites. Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre le président de la République le dire dans le Lualaba à l'intérieur de la République démocratique du Congo? Écoutez, un plaisir immense de suivre effectivement le président de la République aborder cette question sociétale qui est une question importante dans la marche d'une nation, la question de la retraite, parce que c'est un droit avant tout de celles et ceux qui ont servi, comme il a dit, honorablement le pays, qui ont rendu de bons et loyaux services à la nation et qui mérite d'aller se reposer avec dignité et honneur, parce qu'il y a une vie après la retraite, après tout ce qui a été fait, vous savez, monsieur le ministre, et l'œuvre du président de la République lui-même, il l'a pensé, et puis avec le premier ministre, nous avons
agi pour la matérialisation de sa vision. Et je pense qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État l'a indiqué, nous sommes en train de faire, d'opérer une mutation sociétale fondamentale. Parce que nous sommes en train de, d'inventer un système de sécurité sociale qui n'existait pas depuis 1960. En réalité, il faut dire les choses comme elles sont. Moi, j'ai vu des gens aller à la retraite sans aucune allocation de fin de carrière. On a vu des militaires, notamment des enseignants, considérer que être mis à la retraite, c'est aller mourir. Aujourd'hui, je crois que le président de la République l'a dit, la retraite ne signifie plus la mort. La retraite devient en réalité une étape de la vie normale après la carrière. Et les moyens qui ont été disponibilisés permettent à ce que les agents publics mis à la retraite puissent s'adonner à des activités, notamment agro-pastorales, et créer leurs propres entreprises et contribuer d'une manière ou d'une autre au développement du pays. Et c'est un motif de fierté que nous ayons accompli ce travail, évidemment sous la coordination du Premier ministre, avec l'accompagnement du ministre du Budget, des Finances et tous les autres membres du gouvernement. C'était une parenthèse, mais maintenant, est-ce que vous pouvez brièvement nous faire le point de plusieurs réformes, parce que je sais que vous vous occupez de la modernisation de l'administration, du rajeunissement, de retraite, mais de tout ce qui est en cours. Est-ce que vous pouvez nous donner un aperçu général des réformes que vous avez entreprises? D'abord, j'allais vous remercier, monsieur le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, cher Patrick, de m'offrir encore une fois cette opportunité de répondre au rendez-vous de redevabilité. Il va de soi. Parce que gouverner, c'est aussi communiquer. Tout à fait. Redevabilité nous permettant ainsi donc de dire à notre peuple ce que nous faisons, les options que nous levons, les décisions que nous prenons pour la bonne marche de la nation. Je voudrais aussi rendre hommage à votre travail. Merci. On ne le fait pas assez. Excusez-moi si cela vous gêne. Le travail extraordinaire, justement, que vous abattez, cher Patrick, à travers ces concepts, qui permet à ce que les membres du gouvernement et d'autres responsables publics puissent venir justement rendre compte de leur gestion à l'opinion, devant le peuple. Et vous le faites si bien, on peut penser que ça va de soi, que c'est un exercice anodin. Non. Un exercice délicat, tout difficile, et vous le faites avec brio. Donc, bravo. Merci pour ce travail. Ensemble. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je voudrais aussi, évidemment, avant de dire mon mot introductif, rendre hommage à son Excellence, monsieur le Président de la République, pour la vision qui a été déployée, qui est une vision de transformation sociétale. Notre pays, vous l'avez certainement suivi, lors du dépôt de sa candidature à la CENI, il a encore répété, je crois que, sauf si j'ai loupé un chapitre, peut-être le seul candidat qui a, en quelques minutes, profité de l'opportunité qui lui avait été offerte pour décliner les grandes lignes de sa vision. Moi, j'ai entendu d'autres candidats aussi crier, dire, décliner leur vision, qui peut être résumé à « Allez, nous voulons, moi je veux remplacer Félix Antoine Tshisekedi à la présidence de la République. » Et le président de la République lui aussi a crié sa vision. Et sa vision, c'est « Moi je veux poursuivre la transformation de la RDC. » C'est assez clivant et c'est assez juste. Mais le moment venu, le peuple tranchera. Et j'ose espérer en tout cas que ce sera un moment où chacun aura l'occasion d'entrer en profondeur,
de questions, parce que c'est un moment où on aura une bataille projet contre projet, vision contre vision, et les peuples, les Congolaises et les Congolais sauront véritablement qui est celui qui porte véritablement la vision qui peut permettre aux uns et aux autres d'espérer un Congo nouveau. Mais il y a une boutade habituelle ici au briefing, je dis souvent pour un peu taquiner les opposants, qui doivent quitter la périphérie. La périphérie, c'est justement venir dire, sans un contenu présenté, dire bon voilà, je veux remplacer le président Tshisekedi, mais vous allez remplacer le président pour faire quoi? Voilà. Et dans les devoirs à domicile, qui est le leur, c'est de regarder justement tous les efforts que nous avons faits, parce que notre point de sortie, s'ils arrivaient à nous remplacer, serait leur point de départ. Et donc, il y a un grand parcours qu'il faut faire et nous allons leur donner des éléments d'information dans les briefings de ce soir pour que sur les questions qui concernent l'administration publique, ils soient outillés pour savoir quelles seront les propositions contraires qui nous amèneront. C'est là tout le problème, monsieur le ministre, dans notre pays. Vous savez, moi, j'ai du mal, en tant que décideur, des fois d'avancer si je n'ai pas de contradicteurs. J'ai aussi besoin des propositions, des idées, des critiques émanant des opposants sur, par exemple, la question, on l'a dit ici, de la retraite. Ce sont des grandes questions sociétales. On ne peut pas avoir une classe politique qui ne débat pas sur ces questions-là, sur la question de la transformation de l'administration publique. Ce sont des questions fondamentales qui nécessitent des grands débats. Mais là, bien souvent, on voit qu'il y a un vide dans les idées, dans les projets. Parce qu'ils sont dans la périphérie. Parce que, effectivement, c'est votre terme et je crois que vous n'avez pas tout à fait tort. Voilà. Mais parce que nous sommes, nous, dans la profondeur, permettez-moi donc d'aborder très rapidement cette question de réforme donc, au sein de la fonction publique. Je n'ai pas l'intention de revenir sur le diagnostic qui a été fait précédemment lorsque nous étions ici, même dans cette salle, le diagnostic sur l'état des lieux, en tout cas l'état dans lequel nous avions trouvé l'administration publique en général, qui était dans une situation catastrophique, c'est le moins qu'on puisse dire, avec une illisibilité dans pratiquement toutes les branches, la non-maîtrise des effectifs, des agents, la retraite bloquée, rajeunissement impossible à opérer, dialogue social bloqué, les conditions de travail précaires, les conditions salariales évidemment qui étaient modiques, une hypermatérialisation et les règnes du papier comme si nous n'étions pas en plein 21e siècle, mais surtout la qualité du service public et laissait à désirer. Et aujourd'hui, face à tous ces maux, nous avons essayé effectivement de réserver des remèdes. Et je préfère, moi, dire ce qui a été fait pour que nous puissions avoir une idée exactement de perspective après d'avenir. D'abord, sur la question du front, parce que c'était une bataille, comme je l'ai dit, à multiples fronts, comme je l'ai dit souvent, il y a d'abord le front de la maîtrise donc, des effectifs. Pour cela, nous avons lancé, par l'entremise d'ailleurs de Son Excellence Monsieur le Premier ministre, l'identification biométrique des agents. Parce que nous avons pensé qu'en plein 21e siècle, il était ubuesque de ne pas être capable de maîtriser les effectifs au sein des administrations publiques. Et que l'outil moderne pouvant permettre à ce que nous puissions véritablement atteindre cet objectif, c'était le numérique. Et donc nous avons lancé l'identification biométrique de tous les agents et fonctionnaires de l'État à travers le pays, avec comme option de ne pas laisser les agents venir vers la fonction publique, mais que c'est la fonction publique qui aille vers les agents et vers les services, d'abord à Kinshasa et à travers tout le pays. Et au moment où je vous parle, eh bien, les agents recenseurs et identificateurs sont en train de boucler ce travail. Je crois, j'ai eu
encore les responsables de l'équipe de Mahagui, où il y a eu un agent qui a fait un accident. Salut de loin. Mahagui, Mambasa, et puis à Djougou, on est dans la province du Touri. On est en train de boucler ce travail qui permet à ce que nous puissions mettre à la disposition de chaque agent une carte de service biométrique. Aujourd'hui, tous les agents publics, notamment ici à Kinshasa, sont porteurs de leur carte de service biométrique avec QR code qui permet à ce que nous puissions éviter les irrégularités que nous avions connues par le passé, des doublons, des fictifs, de fonctionnaires détenant plusieurs numéros matricules, de faux numéros matricules par moment, de cumulards qui étaient dans 2, 3, 4, 5 administrations par moment. Eh bien, tout ceci est derrière nous parce que nous avons finalement réussi à asseoir le triptyque, un agent, un poste et un salaire. Et en même temps, nous avons tenu à réfixer les cadres et structures organiques de toutes les administrations publiques. Aujourd'hui, je crois, sur 75 administrations, nous en avons déjà bouclé 50, il nous reste 25. Et une conférence est prévue en novembre pour pratiquement boucler la boucle, afin de faire en sorte que ces cadres organiques puissent être assortis de référentiels d'emploi, avec des effectifs maxima à ne plus jamais dépasser. Et une autre mesure accompagne les deux opérations, c'est l'interdiction formelle d'aligner les NU, les nouvelles unités. Parce que c'est cette tendance qu'il y avait, où les secrétaires généraux, les responsables politiques, n'ont pas peur de le dire, avaient tendance à vouloir déverser à la fonction publique, sur base des recommandations et tout ça, eh bien, des membres de famille, des membres des partis politiques et autres, sans tenir compte des besoins réels, sans tenir compte des cadres organiques, eh bien, ce chapitre sombre est terminé. Et ça nous permet aujourd'hui plus de recommandations. Écoutez, pour en tout cas accéder aujourd'hui à la fonction publique, le système qui est privilégié, c'est plutôt, ainsi que l'a recommandé le président de la République, la compétition, les concours. Donc c'est les rajeunissements compétitifs qui a été privilégié. Les admissions sur titre, vous appelez ça peut-être recommandation, c'est une exception en cas de besoin et lorsque le poste en réalité requiert un profil assez singulier, assez particulier. Mais la règle, c'est le concours, comme vous l'avez certainement constaté. Ensuite, je pourrais maintenant dire, je répondais certainement à certaines questions, nous avons des chiffres aujourd'hui qui nous permettent, parce que avant, lorsque nous étions arrivés, on nous parlait, on avait un chiffre de plus ou moins, un effectif de plus ou moins 1 425 000 fonctionnaires dans le régime général. Après certification et identification, nous en sommes à plus ou moins 700 000. Donc ça veut dire une réduction de plus ou moins 50% des effectifs. Et je crois que ça va certainement nous permettre de mieux gérer et de mieux maîtriser la masse salariale les années à venir. Ensuite, le deuxième front, c'était le front de la retraite et du rajeunissement, ce qui s'est collé. Et là, j'avais parlé du blocage de la retraite. La retraite dans notre pays était bloquée depuis 40 ans. Pas un secret, pas un scoop, 40 ans. Si bien qu'il y a quelques années, plus ou moins 10 ans, la Banque mondiale avait décidé de venir nous épauler, nous aider à travers un projet, les PRAP, pour rajeunir l'administration publique en faisant partir donc les agents éligibles à la retraite. Après 8 ans de processus de travail avec la Banque mondiale, nous avions réussi à l'époque à ne faire partir que 923
923, c'était en 2017. Et aujourd'hui, nous, dans une année seulement de travail, avec la volonté qui a été exprimée par les présidents de la République, eh bien, nous avons réussi à faire partir 10 900 fonctionnaires à la retraite. Et 10 000 autres sont prévus pour partir d'ici la fin de l'année. C'est dire, là où il y a la volonté, évidemment... On trouve toujours le chemin. Rien ne peut résister. Nous avons donc fluidifié ces départs à la retraite et il y a lieu de dire que nous avons en même temps amélioré les allocations de fin de carrière. Parce que ce que nous avons trouvé en place, c'était 2 000 $, l'équivalent en tout cas de 2 000 $, toutes catégories confondues, des 2 000 $ qui sont passés finalement à 8, 10, 12, 14, 16, 20 000 $ selon les grades et les rangs. 40 millions de francs congolais, donc je comprends. 40 millions de francs congolais. Donc la maman de votre ami, certainement, je ne sais pas. Sa grand-mère. La grand-mère de votre ami est certainement dans une des catégories, peut-être 30 millions ou 25 millions. Mais ce qui tranche vraiment avec les passés. Nous avons aussi agi pour améliorer les petites retraites, parce que nous avons quand même trouvé dans notre pays, il faut le dire, des gens qui allaient toucher 4 000 francs, 5 000 francs, 8 000 francs, 10 000. Un directeur retraité avait 21 000 francs congolais de pension de retraite. Ce qui est tout à fait, s'il faut oser le dire, une insulte faite à celles et ceux qui ont rendu de loyaux services à l'État. Et le président de la République nous a demandé de faire un travail de majoration et nous avons travaillé d'arrache-pied pour que nous puissions améliorer sensiblement ces petites retraites qui ont été donc revalorisées de 300 à 1000% d'augmentation. Wow. 300 à 1000% d'augmentation. Et aujourd'hui, nous avons fait en sorte que le nouveau système puisse se consolider parce que nous avons supprimé les systèmes octroyés pour finalement instaurer le système contributif qui est porté par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics. En somme, c'est un système qui se fonde sur la solidarité intergénérationnelle, les actifs prenant en charge le passif. Donc c'est un système qui ne s'arrêtera jamais parce que tant qu'il y aura des actifs, donc le fonctionnaire mis à la retraite seront toujours mieux rémunérés. C'est donc ce nouveau système qui est mis en place actuellement et qui va se voir encore amélioré parce que nous sommes en train de mettre en place la retraite complémentaire qui est donc qui a vu les jours et qui en réalité provient de cotisations tirées des primes parce que jusque-là nous ne calculions la retraite que sur pied du salaire de base et donc nous avons décidé d'intégrer la prime étant en réalité dans notre système de rémunération qui est appelé à être réformé, la partie la plus importante. Et donc, dans le mois à venir, les années à venir, la retraite va être davantage révalorisée parce que l'assiette de cotisation a été élargie. Nous avons aussi comme innovation, toujours dans dans ces volets de sécurité sociale, l'opérationnalisation de la branche des risques professionnels. Jamais depuis 1960 dans notre pays, on a couvert les agents publics de cette branche de risques professionnels. En somme, aujourd'hui, un agent public, où qu'il se trouve, qui tombe malade ou qui a un accident du fait de l'accomplissement de sa mission, est pris en charge directement par la SNSAP, qu'il soit militaire, policier ou autre.
Et un autre fait majeur, c'est surtout l'extension, parce que j'ai parlé des militaires, de la couverture à d'autres catégories qui étaient jusque-là exclues. Je parle ici des policiers, des militaires, des enseignants de l'EPST, des enseignants de l'ESU, mais aussi les magistrats qui seront adéquatement pris en charge par la Caisse nationale de sécurité sociale des agents. Et j'annonce d'ailleurs en scoop le fait que cette extension va se poursuivre dans le mois qui suivent avec l'intégration d'autres catégories politiques. Vous avez par exemple des conseillers de cabinet, des directeurs de cabinet, les membres du gouvernement, tiens, des membres du gouvernement qui, dans notre système de sécurité sociale, ne sont pas de sécurité. Ouais. Donc des anciens membres du gouvernement aujourd'hui, il y en a qui les connaissent, il y en a qui vivent dans une certaine détresse sociale. Tout à parce qu'ils ont longtemps travaillé comme membres du gouvernement, mais ils ne sont pas couverts. Et le président de la République nous a instruits de réfléchir sur un système qui va couvrir pratiquement tout le monde et qui va faire en sorte que personne ne soit laissé au bord du chemin. Et prochainement, c'est ce texte-là qui sera discuté en Conseil des ministres, puis au Parlement. Mettre à la retraite, c'est bien, mais il faut aussi donc rajeunir. Vous l'avez rappelé ici, monsieur le ministre, nous sommes en train de travailler pour un rajeunissement qualitatif et compétitif de notre administration, notamment à travers l'ENA, à travers la formation. Tout à fait. Nous allons muser sur la formation. Vous m'avez vu certainement en France, à l'ENA, qui est devenu l'INSP, et en Belgique, à l'Institut Egmont, avec ma collègue belge, pour renforcer les partenariats, notamment dans le volet formation, formation initiale, avec des jeunes énarques qui vont dans des stages de professionnalisation, mais aussi formation continue des agents, de fonctionnaires qui sont déjà, qui pressent déjà et qui devront bénéficier de modules de formation afin de voir leur capacité être renforcée. L'idée étant d'avoir une administration publique forte qui soit au rendez-vous du rendement, au rendez-vous des résultats. Un autre front, évidemment, demeure celui d'améliorer les conditions socio-professionnelles de fonctionnaires, des agents et fonctionnaires de l'État. Nous avons sur ce terrain érigé le dialogue social comme une stratégie. Le Premier ministre revient souvent d'ailleurs sur ça. Comme l'unique moyen de garantir la paix sociale. Et le Premier ministre y tient, le président de la République y tient. Il nous l'a dit plusieurs fois qu'il faut absolument agir pour que les partenaires sociaux soient considérés et que notre démocratie sociale puisse être vivifiée. Et c'est ce que nous faisons dans le cadre de commissions paritaires. Vous m'avez vu avec l'ESU, avec l'EPST, avec le ministre de l'EPST, avec le ministre de la Santé, mais aussi dans le cadre du régime général, avec l'INAP et tous les autres, ministres du budget, ministres des finances, où nous discutons sur les différents problèmes que les agents et fonctionnaires rencontrent dans l'accomplissement de leur mission. Et de ces échanges, il y a beaucoup de progrès qui ont été réalisés, notamment sur le plan de l'inclusion salariale, par exemple. Il y a un terme, vous savez, les non-payés, c'est connu dans notre pays, les NP, on les appelle. Aujourd'hui, monsieur le ministre, je peux vous dire que 135 000, en deux ans, 135 000 fonctionnaires ont été inscrits dans le fichier de la paix, qui n'étaient pas payés depuis toujours. Wow. Depuis 20 ans, 15 ans, 000. Parfois 30 ans sans salaire. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas cette stratégie de programmation budgétaire avant leur recrutement. 135 000 mécanisations en deux ans contre seulement 10 000 en 20 ans. En 20 ans avant nous, il y avait plus ou moins 10 000 mécanisations. 10 000 mécanisations en 20 ans. En 20 ans. Et en deux ans, nous allons avoir 135 000. Les chiffres parlent de Il n'y a pas photo, il n'y a pas match, comme on dit, comme diraient les autres.
Et d'ailleurs, il y a d'autres avantages que l'on présente dans le tableau. Le rabattement de l'IPR de 3. Le rabattement de l'IPR, on peut dire. Oui, bah, effectivement, on a agi pour qu'il y ait un allègement fiscal historique pour soulager et renforcer le pouvoir d'achat des fonctionnaires. Nous avons effectivement rabaissé l'IPR de 15% à 3%. Et nous avons procédé, et ça continue, aligné à la prime, plus ou moins 40 000 agents et fonctionnaires de l'État. Nous sommes en train de continuer de le faire, mais aussi augmenter les salaires de base de plus ou moins 45%, ce qui est aussi important. Je souligne ici, lorsqu'on parle du salaire de base, c'est une partie de la rémunération, parce que l'autre partie, c'est la prime. Et bien souvent, lorsqu'on dit un huissier doit atteindre 200 $, il n'a pas que les 200 $, il y a aussi la prime à côté. Évidemment, le défi que nous avons, c'est la rationalisation de la prime pour que chaque fonctionnaire puisse y avoir droit, mais aussi faire en sorte que nous puissions, et c'est un défi que nous allons relever prochainement, réformer notre système de rémunération. Et nous avons pour cela aussi agi pour que nous puissions mieux gérer la carrière des agents avec le retour du système de cotation et d'évaluation des agents, des avancements en grade qui étaient bloqués. Il y a des agents qui ont fait 20 ans, 30 ans sans avancer en grade. Vous avez appris certainement que le chef de l'État venait de nommer de nouveaux directeurs. Le Premier ministre a nommé de nouveaux chefs de division, chefs de bureau avec confirmation de titularisation. Prochainement, nous allons faire le même exercice pour une promotion générale en grade. Et ça fait partie aussi de la vivacité de toute administration publique. Monsieur le vice-premier, il faut commencer à atterrir dans Je vais atterrir. Vous savez, il y en a tellement évidemment, des choses qui réformes. J'allais parler de la dématérialisation, parce que tout à l'heure, j'ai fait allusion à la hypermatérialisation. Notre ambition était de faire en sorte que nous puissions dématérialiser les démarches administratives. Aujourd'hui, chaque fonctionnaire de notre pays, parce que nous avons mis en place le portail de la fonction publique, je crois que vous l'avez suivi, chaque fonctionnaire dispose d'un espace dans ses portails où il peut faire ses démarches administratives. En dehors du fait que chaque Congolais peut aussi... Il dispose du portail, ça veut dire quoi, monsieur le vice-premier ministre, qui va derrière sa machine? Il va derrière sa machine, il tape son numéro matricule, pas seulement derrière sa machine, même avec son téléphone. On parle de fonction publique Natchombo. Tiens, vous vouliez la modernisation et l'innovation, vous l'avez. Donc avec son téléphone, il peut entrer dans son espace et puis faire ses démarches administratives de Likasi, de Kisangani, de Kikwit, de Goma, de Bukavu. On n'a pas besoin de venir à Kinshasa. On peut tout simplement faire ses demandes, mise en congé, mise en disponibilité, connaître sa situation, imprimer son bulletin de paye ou alors faire une demande spécifique, eh bien, sans que forcément qu'on ait besoin d'écrire et d'utiliser les papiers. On veut mettre fin au règne du papier et faire en sorte que nous entrions aussi au siècle nouveau comme les autres administrations. Nous réformons en même temps aussi le cadre juridique et de la fonction publique. Peut-être que nous y reviendrons, parce que j'ai fait passer, quand vous étiez là certainement, 15 décrets dernièrement en Conseil des ministres, qui actualisent les anciens décrets, mais qui aussi portent de nouvelles options, notamment l'érection, disons, l'avènement de la semaine anglaise. Parce que bientôt, nous allons, dès que le décret est signé, permettre à ce que les agents publics puissent disposer de l'air samedi pour les activités agropastorales, mais aussi d'autres mesures, notamment la mise en place du Conseil supérieur de la fonction publique et autres qui étaient prévues par la loi. Et surtout, et je vais chuter par là, la promotion du genre, c'est-à-dire la féminisation de l'administration publique. Nous voulons faire en sorte que les femmes puissent avoir leur place au sein de nos administrations.
dominée essentiellement par les hommes. Voilà. En tout cas, c'est une des questions sur lesquelles le président de la République travaille. Travaille âprement, et ainsi que d'ailleurs, il a même ajouté à part les femmes que nous puissions travailler pour la place des personnes vivant avec handicap. Ça, ce sont des combats personnels du président de la République. Voilà, grosso modo. Il y en a encore, si vous voulez, non, merci. Je puisse continuer. Mais je m'arrête peut-être là pour attendre certaines questions. Nous aurons certainement l'occasion de développer prochainement. Allons étape par étape. Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Nous n'aurons pas suffisamment de temps, ni ce soir, ni dans les jours qui restent avant la campagne électorale, de dire ce que nous faisons. Mais les Congolais qui ressentent les effets de notre action pourront eux-mêmes en témoigner le moment venu. On va commencer cette série des questions avec M. Martin Moudimbi. Monsieur le ministre, merci pour la parole. Rapidement, une question d'actualité avant de revenir au VPM de l'intérieur. Le général Brice Oligui était à Kinshasa aujourd'hui. Il a été reçu par le président de la République. Est-ce que nous pouvons facilement dire que bon, le président de la République, qui a été il y a récemment président de l'UIA, a trouvé des excuses à l'acte de coup d'État posé par le général contre le régime du président Ali Bongo? Je me disais bien que cette question, allait revenir. C'est vrai qu'il y a des mesures qui ont été prises contre le Gabon après, évidemment, les événements qui ont suivi les élections. Nous appartenons avec le Gabon à une organisation régionale, à la même organisation régionale qui s'appelle Communauté économique des États de l'Afrique centrale. Et je crois qu'au-delà des mesures qui ont été prises, mais ici, il faut regarder les sorts du peuple gabonais. Et dans les faits, le général Brice Oligui, c'est lui qui assure la présidence gabonaise. Et donc, il a entamé une mission consultative de chefs d'État qui sont dans la sous-région, évidemment, pour parler des questions qui concernent les Gabonais, principalement, mais aussi les questions qui tiennent à cœur la République démocratique du Congo, le Gabon, des questions comme les climats. Évidemment qu'il y a des préoccupations que vous soulevez qui sont portées à un niveau politique. Aujourd'hui, au Gabon, il y a un médiateur parce qu'il faudra finalement, au-delà de la crise, à un moment ou à un autre, trouver la solution. Le président Touadéra, le centrafricain, est médiateur et il y a des efforts qui sont en cours. Il est venu s'en remettre au président de la République pour écouter justement ses conseils, ses pistes de solutions. Il lui a aussi proposé, présenter son plan jusqu'au retour de la normalisation de la vie publique au Gabon. On peut considérer qu'au-delà du principe qui est connu ici, de ne pas soutenir des prises de pouvoir par la force, mais il y a un espace qui est laissé au dialogue, et en l'occurrence, c'est dans le cadre de cet espace qu'il a été reçu par le président de la République. Merci. Au vice-premier ministre, je salue à bras le corps toutes ces réformes initiées dans votre secteur, mais il y a encore des petits soucis à régler. Je voudrais profiter de cette antenne pour porter à votre connaissance un cas précis. C'est celui d'un groupe d'agents du ministère de l'ESU qui ont été enrôlés dans l'administration publique depuis 2018. Ils travaillent normalement, ils ont été recensés, mais jusqu'aujourd'hui, ils ne bénéficient ni de la prime institutionnelle, ni des salaires de base. Est-ce que vous connaissez ces cas et qu'est-ce que vous pouvez les rassurer? Écoutez, ces cas précis, non, mais je sais qu'il y a beaucoup d'agents publics qui sont dans cette situation. Surtout c'est de la vague de 2018, comme vous le dites. Voilà, de 2018, parce qu'il y a quand même des centaines de milliers de fonctionnaires qui avaient été recrutés cette année-là. Et l'État a eu, après, logiquement, du mal à les absorber budgétairement, et ce n'était pas évident. Mais il y a un travail qui est en train d'être fait actuellement pour effectivement essayer de juguler cette problématique. Je puis vous dire que l'ESU aura une part belle à ce qui concerne la mécanisation, par exemple, pour T4 2023. Parce que, T4, c'est le quatrième trimestre de 2023. Quatrième trimestre qui commence donc au mois d'octobre. Tout à fait. Vous êtes maintenant habitué. Évidemment. Vous êtes futur ministre de la fonction publique. en ce moment-là. Et donc, bonne chance à vous. Et donc,
le président de la République, ce n'est pas un scoop ici, parce que ça a déjà été dit, nous a instruit au regard de la persistance de ces problèmes, de tout faire, chercher des économies pour aligner un grand nombre de fonctionnaires au T3 et puis au T4. Et pour le T4, c'est plus ou moins 50 000 fonctionnaires qui seront alignés à travers le pays à la mécanisation. J'ose espérer en tout cas, parce que j'ai vu la répartition qui nous a été proposée, que l'ESU a une part belle. Et j'ose espérer que plusieurs de ces agents seront déjà prises en compte avant que nous bouclions, comme j'avais promis, ces dossiers. Nous vidions pratiquement le problème dans le cadre du budget 2024. Voilà, merci. On va prendre les questions de M. Pichu Moulumba. Merci pour la parole, Monsieur le ministre. J'ai deux petites préoccupations au VPM. J'ai noté qu'il y a une mutation sociétale fondamentale qui n'existait pas depuis 1960 en RDC au sein de l'administration publique. Mais justement, parler aujourd'hui de l'avenir de l'administration publique sous-tend la prise en compte de la jeunesse. En presque trois ans du gouvernement Samalou Kondé, quel est le taux aujourd'hui du rajeunissement de l'administration publique, parce que vous parlez des chiffres. La deuxième préoccupation, c'est que dans certains coins de la République, il y a des retraités qui n'ont jamais touché leurs frais de pension. Y a-t-il des dispositions prises pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits? Merci, Monsieur Pichu Moulumba. D'abord, pour la jeunesse, je l'ai dit, je ne sais pas si vous avez bien suivi ce qui s'est passé. Nous sommes d'abord occupés de la question de la retraite, parce que nous avons estimé qu'il ne fallait pas vendre le vent aux jeunes. Je peux décider de distribuer des numéros matricules aussi, hein. Et puis les jeunes seront contents, mais sans affectation, sans salaire, en attendant que chacun se débrouille. Ce n'est pas notre approche. Notre option à nous, c'est d'identifier d'abord des postes vacants, budgétairement portés, prévus, avant de procéder au recrutement. Et c'est ce que nous avons fait. Nous avons recruté, nous étions ici, vous étiez là, présent, si je ne m'abuse, lorsque nous avons lancé les recrutements des inspecteurs et contrôleurs, des inspecteurs généraux du travail, aussi des contrôleurs, des agents administratifs. Le même travail a été fait pour la DGTCP au niveau du ministère des Finances. Nous l'avons fait pour le ministère du Numérique. Il est prévu aussi, d'ailleurs, le même processus de concours pour la jeunesse, l'aménagement du territoire, pour le ministère de personnes vivant avec handicap, pour plusieurs autres ministères. Et aujourd'hui, nous en sommes à plusieurs milliers de jeunes qui, effectivement, seront recrutés après cette vague-là. J'avais dit que nous allions procéder au remplacement d'un fonctionnaire sur deux, et ces principes demeurent, un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. Nous avons mis à la retraite 10 900 fonctionnaires. C'est plus ou moins 5 000 jeunes qui seront recrutés d'ici la fin de l'année. Ensuite, 10 000 fonctionnaires qui partiront novembre-décembre 2023 seront remplacés en janvier-février par 5 000 autres jeunes. Voilà. Ça se fera comme ça progressivement. Mais les jeunes qui sont embauchés sont directement affectés et seront directement pris en charge sur le plan salarial. Et il n'y a pas de conflit des générations, parce que bon, c'était l'une des préoccupations lorsqu'on suivait des programmes comme le FRAP, il y avait un programme FRAP, oui, de jeunes de l'administration, de programme des jeunes énarques. Donc lorsqu'ils arrivaient, ils avaient déjà un statut et parfois l'accueil n'était pas toujours de plus chaleureux. Voilà, on est en train de changer tout ça, parce qu'effectivement, quand il y avait beaucoup de problèmes, des précarités sur le plan salarial, évidemment que les jeunes énarques et les jeunes professionnels ne pouvaient qu'être mal vus par les autres qui, eux, n'avaient pas de traitement qui suivait. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire un travail d'amélioration générale et de faire un maillage, et même de permettre à ce que le vieux fonctionnaire, je l'ai dit,
dans le cadre de la formation continue, puissent aussi s'y retrouver et voir leur niveau en termes de carrière évoluer. S'agissant des retraités, oui, ces problèmes se posent. Je l'ai appris. D'abord, il faut dire que 80% ou si pas plus de retraités ont reçu leur argent, leur indemnité de fin de carrière et autres. Les problèmes se posent dans des zones à accès difficile, c'est vrai, je l'ai appris. Mais je voudrais apaiser tous ceux qui sont concernés en disant que ceux qui n'ont pas encore reçu leur argent, parce que les salaires dans notre pays, la rémunération est bancarisée, ils n'ont pas de souci à se faire. Nous sommes en train, j'ai mis en place une commission, j'ai envoyé des équipes dans chaque province pour aller répertorier les cas des retraités, de ces retraités-là. Le rapport m'a été fait donc la semaine dernière. Nous allons réengager tout simplement l'argent qui a été exsoumé par les banques pour que cette fois-ci, qu'il n'y ait plus de problème au niveau des banques de concernés parce que c'était de mauvais logements financiers au niveau des banques. Une correction sera faite. Alors, s'agissant aussi de ceux qui n'ont pas encore leur pension, ils ont reçu leurs indemnités de fin de carrière, mais pas encore leur pension au niveau de la CNSAP, qu'ils sachent que dès que les démarches sont opérées, parce que beaucoup étaient à l'intérieur ou beaucoup étaient malades, beaucoup n'étaient pas là lorsque les agents de la CNSAP étaient sur place, eh bien, ils doivent passer, voir, s'inscrire au niveau des chefs de division, fonction publique, chargés des retraités, pour que leur cas soit répertorié et envoyé à la CNSAP, où ils percevront leur argent avec rappel. Si la notification a été faite en janvier et que jusqu'à présent, le concerné n'a pas encore reçu sa rente ou sa pension, eh bien, qu'il sache la pension lui sera versée avec rappel, de janvier jusqu'à novembre. Donc, de ce point de vue-là aussi, qu'ils aient leur apaisement. Voilà, merci, monsieur le Vice-Premier ministre. Bon, l'heure file, nous aurons sûrement à grignoter une bonne dizaine de minutes avant le journal de la télévision nationale. On va prendre la question de monsieur Dieu Merci Lusakumunu. Merci beaucoup, monsieur le ministre, pour la parole. J'aimerais commencer par poser deux questions d'actualité au ministre porte-parole du gouvernement. Il circule une vidéo sur les réseaux sociaux où l'on voit les patrons du groupe des Patriotes Ouazalendo donner un ultimatum de 48 heures aux forces de l'EAC, faute de quoi ils seront frappés comme le sont aujourd'hui les terroristes du M23. Est-ce qu'au niveau du gouvernement, on ne perçoit pas que le mouvement Ouazalendo soit un problème ou soit une situation, un mouvement qui puisse devenir un problème à la longue quand on sait qu'il faudra les gérer après? Ils seront gérés dans le cadre de la nouvelle loi sur la réserve de l'armée ou ils pourront aussi quémander une certaine récompense? La seconde question, c'est en rapport avec les processus électoraux. Il y a une confusion autour de la publication, plutôt de l'affichage des listes des électeurs. La CENI avait promis d'afficher les listes des électeurs, mais en dernière minute, pour des raisons, dit-elle, logistiques, il y a une certaine confusion puisqu'il faut aller voir les préposés à l'affichage et il y a des critiques qui fusent à ces niveaux, notamment de la part de l'opposition et de certaines organisations de la société civile, entre autres la CIMOCEL, si je ne me trompe. Quelle est la réaction du gouvernement à ce sujet? Monsieur le ministre, le vice-premier ministre, félicitations pour tout le travail que vous avez abattu. Mais il y a quelque chose, des petites choses qui m'ont échappé. Vous dites que vous êtes parvenu à réduire des effectifs à 50% pour mieux maîtriser la masse salariale. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut avoir l'effectif exact des fonctionnaires qui fonctionnent au niveau de l'administration publique? Merci. Alors, vous avez posé plusieurs questions en même temps. Je veux commencer par répondre à la question sur la CENI. Vous parlez de société civile. Cet après-midi, j'ai eu 2 heures de réunion avec Human Rights Watch.
que vous connaissez tous. J'ai eu l'occasion de leur rappeler que notre engagement à la fois pour la protection et la promotion des droits de l'homme était d'abord une affaire de conviction. Je ne voudrais pas nous comparer à d'autres. Vous avez suivi que la même structure a sorti un rapport, pour ne pas citer les Rwandais, où tous les signaux sont rouges parce que les droits de l'homme là-bas n'existent pas. J'y reviendrai. Dans la discussion que j'avais avec eux, ils ont soulevé cette question, justement. Et vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris mon téléphone, j'ai posé la question au président de la CENI, qui se trouve être à l'étranger. Et de là, il m'a rappelé. Il m'a donné, j'ai dit, Monsieur le Président, je vous mets sur haut-parleur. Et il a répondu aux questions. Je vais vous donner ses réponses. Mais ici, je dois préciser avant tout que lorsqu'il y a une décision qui est prise et que vous n'êtes pas d'accord, mais que vous êtes partie prenante au processus, vous connaissez la CENI, vous connaissez le bureau de la CENI, pourquoi vouloir venir crier dans les médias alors que vous pouvez contacter la CENI et obtenir de réponses? Parce que c'est ce que moi j'ai fait. Et donc ici, parce que nous savons que beaucoup, après les dépôts de candidature, nous voyons qui veut les élections, qui ne le veut pas, qui a peur, qui n'a pas peur. Vous déposez votre candidature et tout de suite vous dites qu'on prépare la fraude. La réponse que le président Kadima nous a donnée, vous pouvez poser la question à l'équipe de Roman Whitewood, ils vont vous dire. Il dit, ils ont une préoccupation. Il y a 179 antennes. L'antenne pour la CENI, c'est un peu l'équivalent d'un territoire. Alors, je vous donne l'exemple de ma circonscription Founa. Sûrement, ce sera une antenne. Je ne suis pas professionnel sur le sujet. On vous dit qu'on doit afficher la liste. Alors, l'antenne de la CENI, c'est un bureau. On doit afficher la liste de tous les électeurs de Founa. Il y a 1 200 000 électeurs. Y aura-t-il suffisamment de place dans le mur pour afficher toutes les listes? Il y a la pluie, il y a des intempéries et il y a aussi des gens qui peuvent passer la nuit et arracher. Vous savez comment ça fonctionne. Et donc, le président de la CENI a posé la question aux amis de Human Rights Watch en disant, écoutez, nous avons ces difficultés logistiques. Mais nous avons dit, lorsqu'il y a un préposé, vous venez, vous donnez votre nom et on va regarder dans la liste, on le trouve. Auquel cas, nous avons des difficultés qui sont liées au contexte général du pays, l'accessibilité, les intempéries, etc. Mais alors, la solution médiane, et je pense que la CENI pourra communiquer dessus, c'est que le président dit, ils vont commencer à afficher suivant les espaces qui sont disponibles. Mais lorsque cela sera fait, il faudrait que ceux qui viendront consulter leur nom, qu'il n'y ait pas de cas d'énervement au cas où la liste est longue, premièrement. C'est toujours plus facile de chercher sur ordinateur, vous tapez les noms, on le trouve. Et il faudrait éviter certains comportements des gens qui peuvent venir et détacher cette liste-là. Ce n'est qu'un exemple ici pour vous dire que sur le processus électoral, il y a un besoin de savoir, de connaître les procédés, les process, et qu'à chaque fois, lorsque vous ne comprenez pas une décision de la CENI, il ne faut pas venir dans les médias crier aux voleurs ou crier au scandale, il faut plutôt contacter la CENI pour que la CENI vous donne des informations, parce qu'ils sont là pour ça. Sur votre question sur la menace de Ouazalendo, écoutez, nous, comme gouvernement, je l'ai rappelé ici, même si j'ai vu qu'il y a eu une tentative malheureuse de vouloir travestir la position du gouvernement. Le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba était à Arusha au cours d'une réunion avec les ministres de la Défense de la communauté de l'Afrique de l'Est. La position du gouvernement est très claire. Nous voulons les départs à l'expiration de la prochaine séance le 8 décembre de la force régionale. Nous les voulons parce qu'il y a des faits qui démontrent que la force régionale n'a pas donné les résultats qu'il fallait dans un temps convenu. Vous vous souviendrez de l'ultimatum du 24 qui expirait du 24 septembre. C'était une réunion qui avait eu lieu en août entre les ministres de la Défense où ils avaient convenu qu'il s'est donné un mois pour nettoyer ou pour permettre l'ouverture de la route
qui permettra d'aménager le site de Rumangabo et accueillir les pré-cantonnements. Et de ces points de vue, blocus. Au moins 2 mois, le matériel est acheté, le matériel est cantonné, il n'y a pas eu de progrès. Et donc, lorsque, avec la sensibilité de notre opinion, lorsque cette opinion voit que cette force, elle est venue pour nous protéger, mais qu'elle n'arrive pas à donner les résultats qu'il faut, cette opinion, cette population s'énerve. Surtout qu'on a vu des comportements qui ont conduit au changement de la direction de cette force. Et donc, il faut nous assurer qu'à tout moment, nous écoutons notre opinion pour avoir une relation de confiance. Sinon, ceci risque de devenir un sujet de sécurité pour nous. Déjà, nous avons eu les événements malheureux de Goma, parce qu'on prévoyait des manifestations contre notamment la MONUSCO, qui s'est terminée malheureusement. Et heureusement que vous avez suivi récemment qu'il y a eu un début de réparation à travers les condamnations de ceux qui ont été désignés comme responsables au terme d'un procès qui a été tenu en flagrance. Donc ici, il faut attirer l'attention des uns des autres que nous portons le message au plan diplomatique. Il est hors de question d'envisager une quelconque forme de violence contre la force régionale. Sur maintenant la problématique de Ouazalène, je crois que c'est un sujet vaste sur lequel on peut prendre des heures pour discuter. Parce que c'est un concept général qui se résume à nos patriotes, qui se battent pour la défense de la patrie. Pourquoi ? Parce qu'en face, vous avez des gens qui viennent massacrer, des gens qui viennent tuer. Aujourd'hui, je vois la manipulation rwandaise, comme d'habitude, vouloir mentir à l'opinion internationale qu'il y a des massacres qui se commettent contre la communauté Tutsi. Nous, comme gouvernement, nous avons une position connue quant à ce. Aucune forme de violence ne peut être tolérée sur aucune de nos communautés. Et que la difficulté que nous en connaissons aujourd'hui, toutes les communautés congolaises sont touchées au même titre. Et donc, toute cette campagne de manipulation qui vise justement à désorienter l'opinion après les revers qu'ils subissent de la part de nos compatriotes, qui a raison, se battent pour la défense du territoire, mais cela ne doit en rien être une excuse, par exemple, pour s'apprendre à la force régionale. Mais maintenant, dans la suite, il y a un processus qui avait commencé notamment avec Uhuru Kenyatta, où tous les groupes armés congolais avaient convenu qu'ils déposeraient les armes. Et aujourd'hui, la menace principale, c'est la question du M23. Nous pensons que dès que la question du M23 sera réglée, les restants des questions entre Congolais, nous pourrons trouver la solution. Et donc, ici, il faut que les choses soient bien claires. Il est hors des questions de soutenir d'aucune manière une quelconque forme de violence contre une quelconque communauté, contre la force régionale ou contre la MONUSCO. Ça doit être noté et j'espère que les experts, ceux qui s'occupent de la sécurité dans cette partie du pays s'en occupent. Monsieur le vice-premier ministre, excusez-moi de la longueur de la réponse, mais il était important que nous puissions sur ces questions fixer l'opinion. Vous pouvez répondre aux questions qui vous étaient destinées. Je ne sais pas ce que vous voulez savoir, parce que j'avais été complet lorsque j'avais indiqué la question de chiffres. Qu'est-ce que vous voulez savoir exactement? Que je puisse exclure Djougou? Qu'est-ce que vous avez contre Djougou? J'ai dit qu'il y avait encore des agents qui étaient à Djougou et à Magui. Mais je vous ai donné des premières indications. Parce que, voilà, les processus de maîtrise des effectifs est parti des listes déclaratives par emboîtement. Ensuite, il y a eu la certification des données, puis aujourd'hui, l'identification. Et donc, je vous ai donné déjà des projections en disant que nous sommes partis des 1 million, parce qu'il faut exclure là les catégories spécifiques, les catégories d'agents bénéficiant des statuts particuliers, notamment les militaires, les policiers, les enseignants de l'EPST et les magistrats. Ensuite, là, il s'agit des agents du régime général. 1 million 400 et quelques. Je crois 1 425 000. Alors, après, ça c'est dans la liste déclarative, après certification, finalement, et aujourd'hui identification, nous en sommes à plus ou moins 721 000. Ce chiffre peut encore bouger parce qu'il y a quelques territoires qui restent. Et puis, j'ai accordé 3 mois à celles et ceux qui n'ont pas été identifiés, faute d'avoir fourni des éléments essentiels et qui ont encore la possibilité d'entrer si jamais ils arrivaient à régulariser leur situation. Mais tout compte fait, nous n'allons pas dépasser
750 000. Vous voyez qu'avec la numérisation, avec l'identification biométrique, l'État a eu donc la possibilité d'avoir un fichier fiable qui va prochainement être globalement, comme je l'ai indiqué, budgétisé et éviter à ce que nous puissions avoir des cas irréguliers, éviter à ce que le fichier soit corrompu. Mais vous savez, on peut numériser, on peut utiliser la biométrie, mais il y a les comportements de l'homme qui comptent. C'est pour cela que nous avons renforcé les systèmes par les cadres normatifs pour renforcer notamment les sanctions contre des responsables qui vont s'amuser encore à tricher et à aligner des NU et autres sans autorisation des autorités, sans observance des règles telles que nous allons les édicter. Mais en somme, la plupart de ces fonctionnaires, il faut aussi le souligner, beaucoup n'étaient pas rémunérés, donc il n'y a pas d'impact peut-être direct sur le budget, mais ça nous évite tout de même d'avoir des personnes à mécaniser alors qu'ils n'avaient pas en réalité qualité. Dans les prochains mois, les prochaines années, nous allons davantage maîtriser les effectifs dans notre pays parce qu'en dehors de ces chiffres, je vous ai parlé des cadres organiques assortis des référentiels d'emplois et des maxima des effectifs à ne plus jamais dépasser. Voilà, on va terminer cet exercice de redévabilité avec deux questions qui seront posées en série, celle de Patrick Lacoué et de M. Dandy Ilunga. Rapidement, s'il vous plaît. Merci, Excellence, pour la parole. Monsieur le Vice-Premier ministre, vous avez souligné ici les avancées en termes de réforme numérique de l'administration publique. Est-ce que les archives de l'administration publique sont numérisées et consultables? Et la deuxième préoccupation, c'est que aujourd'hui, en termes de pourcentage, quel est le taux que consomme dans le budget national l'administration publique? Merci. Voilà. Monsieur Patrice Botto. Monsieur le VPM, vous avez tout dit, sauf la convocation des élections syndicales à la fonction publique. Qu'en est-il? Merci. La dernière question. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La question va tout droit au vice-premier ministre, ministre de la fonction publique. J'ai eu à mener quelques enquêtes dans votre secteur, d'où par rapport à votre dernière note circulaire au sujet des avancements à grade des agents et fonctionnaires de l'État. Mais au sein de votre secteur, il y a eu un peu quelques frustrations par rapport à la catégorie des agents ou des attachés d'administration deuxième classe qui ne sont pas pris en compte pour les faire monter en grade comme attachés d'administration de première classe. Donc, c'est les ATA D pour aller en ATA 1 qui ne sont pas pris en compte, mais il y a eu au moins réajustement de grades par rapport à ceux qui ont été nommés AG 1, mais qui étaient licenciés. Donc, on ne sait pas pourquoi cette frustration et si nous pouvons avoir des éclaircissements à ce sujet. Merci, monsieur le vice-premier ministre. Archives numérisées, les processus étaient en cours. Ce qu'il faut dire que nous avons trouvé quand même des montagnes de papiers. Les papiers occupaient beaucoup plus de place que les meubles et les hommes dans le bureau des administrations. Donc ce que nous sommes en train de faire, c'est de numériser progressivement. C'est des papiers qui sont encore lisibles, hein, parce qu'il y en a qui ont été malheureusement pulvérisés. Mais nous sommes en train effectivement de numériser et surtout de faire en sorte que les actes actuels puissent automatiquement être numérisés par contre. Tout ce qui est arrêté, décret et autres sont numérisés automatiquement et sont consultables même par les grands publics si vous entrez dans le portail de la fonction publique. L'option a été levée dans ce sens-là.
les taux de consommation sur le plan budgétaire. Je ne saurais vous le dire. Vous parlez de 2023 ou 2024. On verra bien pour 2022 les taux. Est assez complexe. Vous savez, la fonction publique, ce n'est pas un secteur. Hein. Il ne faut pas regarder la fonction publique comme un secteur. Il est la fonction publique est non seulement transversale, c'est vraiment une sorte de point de jonction de toutes les institutions, de toutes les administrations. Tout à fait. Donc, par exemple, dans le secteur qui est de mon collègue ici présent, donc le secteur de la communication et médias, il y a une partie qui est évidemment administrative, l'administration du ministère de la communication. Ce sont des fonctionnaires que je gère directement. Hein. Je le place sous sa direction, sous sa tutelle, mais ce sont mes agents, monsieur. Et ça, vous le savez. Mais je vous ai vu avec les directeurs de la douane, de la... Voilà, les régies financières, par exemple, ce sont des fonctionnaires. Si vous me poussez à regarder tout ça, c'est le gros lot, finalement. Alors, donc, je prends le... Si vous prenez les salaires, rien que le salaire des fonctionnaires, vous êtes déjà à 35% du budget. Mais peut-être... Vous alliez me poser peut-être sur le plan sectoriel, ministère. Là, nous sommes très faibles. En tant que ministère de la fonction publique, ce n'est pas plus de 2% du budget national. Mais la fonction publique est vraiment hyper transversale. Les élections syndicales, c'est prévu. Le processus est déjà engagé. Nous sommes en train d'actualiser les textes de commun accord avec les partenaires sociaux. Si tout va bien, en novembre, on tiendra ces élections parce que moi, je tenais à ce que ça se fasse avant les élections politiques, en quelque sorte, que nous ayons ces élections sociales au sein de toutes les administrations, ici, aussi bien ici à Kinshasa qu'au niveau de toutes les provinces. Le Premier ministre a déjà engagé le budget y afférent et il ne nous reste plus qu'à mettre en place, à prendre certaines dispositions d'ordre pratique. La note circulaire, je n'ai pas très bien compris le sens de votre question. Peut-être que vous avez mal cerné vous-même la problématique. Il est impossible de faire une titularisation, disons une promotion générale sans prendre en compte les attachés de l'administration de deuxième classe. Ce n'est pas possible. Mais je vois à peu près ce que vous voulez dire. Parce qu'il y en a qui se sont opposés à ma note circulaire en disant qu'en réalité, le fait de prendre en compte plutôt ceux qui ont fait plus de 5 ans et 10 ans prioritairement lésait en quelque sorte les jeunes gens qui, eux, n'ont fait que 3 ans et qui sont aussi tout autant éligibles. Moi, j'ai dit ceci. Lorsque vous avez dans une administration des seniors, de vieux, des aînés qui longtemps sont restés sans avancement en grade, qui ont fait 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous ne pouvez pas accepter tout de même, lorsque arrive le moment de promotion en grade, de faire monter les plus jeunes. Donc, j'ai considéré qu'il était nécessaire de prendre en compte les critères d'ancienneté. Et c'est très important. Mais cela n'exclut pas tout le monde. Parce que, aux côtés de l'ancienneté, j'ai ajouté l'assiduité. C'est-à-dire qu'un jeune qui est brave, qui est là, même s'il n'est pas ancien, peut aussi avancer en grade à partir du moment où il fait preuve de certaines compétences et d'une certaine assiduité. Donc, il faut bien regarder. D'ailleurs, je veux vous mettre en contact avec l'équipe réforme de mon cabinet pour que vous puissiez parfaire encore vos enquêtes et éclairer davantage votre lanterne. Mais je vous donne la parole que personne ne sera oublié, aucune catégorie ne sera lésée dans ce que nous allons faire comme au titre de promotion générale en grade.
Voilà, merci beaucoup, Monsieur le Vice-Premier ministre, d'avoir répondu à ces questions. C'est par ici que nous allons terminer cet exercice de redevabilité. Des mots, vous en avez toujours, mais est-ce que vous en avez un dernier pour ce soir? Écoutez, c'est de vous dire merci. Merci encore une fois, comme je l'ai dit tantôt. Merci aussi aux chevaliers de la plume, à nos journalistes braves qui sont toujours là à nous accompagner et à relayer ce que nous faisons. C'est vrai que, comme on dit, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, mais c'est parce que nous n'osons pas que les choses sont difficiles. Nous prenons les risques d'oser et d'inventer, de créer ce qui n'a jamais existé. Et nous croyons qu'avec l'énergie que porte le président de la République, la vision qui est la sienne, nous arriverons à transformer ce pays. Le président de la République a fait le choix de tourner le dos aux solutions cosmétiques et donc au populisme. Et lui a fait le choix de la profondeur, vous appelez ça fondation. Donc, au lieu de mettre la peinture, il y en a qui passent par exemple devant la fonction publique, on regarde, on dit, mais ces travaux prennent du temps, mais il faut entrer dedans. Il faut aller voir déjà les couloirs qui sont en train d'être rénovés avant de voir la partie extérieure. Parce que je pouvais aussi faire le choix de mettre la peinture, la clôture avant tout, avant l'intérieur. Moi, j'ai préféré faire comme le président de la République l'avait demandé, eh bien, commencer d'abord par les fonds, l'essentiel, et ensuite après, venir terminer avec l'extérieur. C'est ce que nous faisons. Ce que nous faisons là, comme réforme, sont des réformes existentielles, des réformes systémiques, des réformes, je dirais même, civilisationnelles, qui vont changer fondamentalement les choses et qui préparent les Congos de demain, je dirais même de surlendemain. Parce que gouverner, c'est aussi surtout préparer l'avenir. Et ce que nous faisons aujourd'hui, ce n'est pas pour nous. Et c'est seulement après, parce que nous avons des fonctions éphémères, un jour nous passerons, cher Patrick. Bien sûr. Nous reviendrons, vous êtes journaliste, je suis juriste, peut-être qu'on ira faire ce que nous avons appris à l'université, mais le plus important, c'est d'être au service de la société, d'être au service du progrès. Et nous faisons en sorte que la marche vers le progrès ne s'arrête plus jamais dans notre pays. Et avec Fatshi, avec le président de la République, il est fort probable que, pour le mandat qui va arriver, que cette marche-là vers le progrès puisse prendre véritablement forme et que nous puissions léguer aux générations futures un Congo meilleur et agir pour réconcilier nos compatriotes avec l'avenir et l'espoir d'une vie meilleure. Mais c'était plus qu'un dernier mot. Mais ici, en résumé, et je pense que c'est une phrase qui ne vient pas de Sénèque, mais qui vient de nous-mêmes. On peut tout nous reprocher, mais on ne peut pas nous reprocher notre volonté de faire différemment. Voilà. Et donc, il faut considérer que lorsqu'on parle de changement de narratif, il y a évidemment un changement des narratifs qui sévit aujourd'hui dans toutes les administrations. Lorsqu'on parle de Fatshi Béton, on parle de Fatshi Fondation, c'est parce que la République est en train d'être reconstruite à la base. Nous étions avec les collègues de la santé il y a 2 jours ici. Il a dit depuis 60 ans, depuis l'indépendance, on n'a pas construit un seul hôpital moderne, mais aujourd'hui c'est en cours. Vous aviez dit ici, en 20 ans, il y a eu 10 000, mais en 2 ans, il y a eu 135 000. Et donc, les chiffres veulent tout dire de la volonté politique portée par le président de la République et le Premier ministre et évidemment exécutée par les Warriors. Merci beaucoup et à une prochaine. J'allais peut-être vous aider à mieux conclure parce que vous avez tellement bien chuté. Parce que quelqu'un a dit un jour que les volontés les plus faibles se traduisent par les discours et les volontés les plus fortes par les actes. Alors, vous serez porte-parole du gouvernement, puisque vous m'avez prédit Cher Patrick, la fonction agissons. Publique. Non, non. J'ai pris Dieu pour que vous soyez reconduit. Parce que vous le faites si bien. Merci beaucoup. Bonne soirée.